Direction Moscou à présent, avec les célébrations en grande pompe hier autour de Vladimir Poutine sur la place rouge à Moscou, célébration pour l'annexion de 4 territoires ukrainiens. Et oui, le président Vladimir Poutine, sous les applaudissements de milliers de partisans, la victoire sera à nous, bienvenue à la maison, a-t-il même déclaré en s'adressant aux habitants des territoires ukrainiens annexés. Mohamed Mezrahi. C'est une poignée de main qui se veut historique. Vladimir Poutine et les dirigeants des quatre régions annexées chantant l'hymne national russe. Et le Kremlin a sorti le grand jeu avec ce concert géant organisé sur la place rouge. Une cérémonie en grande pompe où Vladimir Poutine entérine les annexions de 4 nouvelles provinces russes. Le droit de faire un choix. Les gens sont venus au référendum et ont fait ce choix. Celui d'être avec leur patrie historique, avec la Russie. La Russie n'ouvre pas seulement les portes de sa chère maison, elle ouvre son cœur à ses frères et sœurs. Bienvenue à la maison. Face au président russe, des milliers de spectateurs. Beaucoup sont présents car leurs entreprises leur ont conseillé de venir. D'autres expliquent s'être déplacés spontanément. Nous les aimons, nous sommes heureux qu'ils soient retournés dans leur patrie, en Russie. Ces personnes sont de nouveau avec nous et nous sommes tous unis maintenant sous le drapeau de la Fédération de Russie. Plusieurs rassemblements en faveur de Moscou ont aussi été organisés dans les provinces annexées, comme ici à Lugansk.